Dans le camp du Nord, le robot avait progressé en ligne droite sur 65 mètres avant d'être bloqué par une porte munie de deux poignées de cuivre, le seul élément métallique jamais découvert dans cette pyramide. Cette deuxième découverte étonnante allait très vite soulever un flot de questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse. La découverte de la porte avec les deux poignées de cuivre constitue, à mon opinion, la découverte de l'année 1993 en Égypte. Le robot est entré et soudain, il s'est retrouvé face à une porte. La largeur de cette porte est celle d'une boîte à chaussures, environ 20 cm sur 20. Et sur cette porte, on peut voir deux poignées de cuivre, ce qui signifie qu'il y a quelque chose derrière la porte. La Grande Pyramide fut fermée en 1998 pendant 2 ans. Certains observateurs affirment disposer de preuves que des travaux d'excavation secrets ont eu lieu pendant ce temps à l'intérieur de la pyramide. Pour atteindre un point au-delà de la porte de Guntenbrink, il faudrait creuser un passage à travers la roche calcaire, particulièrement compacte. Est-ce pour cela que la pyramide est restée fermée pendant 2 ans ? Nous étions obligés de fermer la pyramide. Les gens ont beau dire que les pyramides sont immortelles, c'est loin d'être le cas. Les pyramides doivent constamment être restaurées. Chaque touriste qui entre dans la pyramide laisse derrière lui environ 20 grammes d'eau et cette eau produit un dépôt de sel. C'est ce qui explique que le taux d'humidité à l'intérieur de la Grande Pyramide soit de plus de 85%. Il n'y a aucun mystère caché derrière la porte secrète à l'intérieur de la Grande Pyramide. Il n'y a rien là derrière. Je pense qu'il s'agit juste d'une cale dont les Égyptiens se servaient pour aplanir les parois du conduit. Et lorsqu'ils abandonnèrent la chambre mortuaire inachevée, ils abandonnèrent aussi la cale dans le conduit. Ce qui signifie qu'il y a quelque chose derrière la porte. Il n'y a aucun mystère caché derrière la porte secrète à l'intérieur de la Grande Pyramide. Il n'y a rien là derrière.